a diving and goes. I'm going coast to coast with the one out of the boat. I could bang on the rim, borrow that dog grip, put me right in touch. I'm going coast to coast, and the guitar picking gold. I'm going coast to coast, with the white eye let it go.
Kimco, ben ouais, ben Kimco là, relève vraiment le défi. Hein. On a un scooter qui est extrêmement sportif, qui a une souplesse absolue. Je suis vraiment assez bluffé. Il a une sonorité, sonorité de moto. Vraiment grosse surprise sur la K550. Ensuite, XADV aussi de chez Honda. On a une souplesse de conduite, une prise de hauteur qui est absolument phénoménale, enfin fabuleuse. Mes deux coups de cœur du salon, ouais, je crois que c'est l'XADV et le AK550. Ensuite, on peut faire confiance à Philippe Monnet pour son organisation. Ça, je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute. Oui. C'est propre, on a la capacité à pouvoir tester l'ensemble des véhicules du marché, en tout cas ceux et les modèles phares du marché, sur un seul et même endroit. On n'a pas besoin de courir tout Paris à prendre rendez-vous sur deux ou trois semaines roulantes. Là, on peut faire tout en une matinée, c'est génial. Et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir négocier un petit peu plus fort avec les concessionnaires. Et là, toi, tu conduis quoi d'habitude? Alors, je vais être assez honnête, je viens de passer mon permis à deux. Je l'ai eu il y a deux semaines. Ah. Et j'ai attendu le salon spécifiquement pour acheter mon véhicule. Donc, je suis venu avec moyen de paiement, carte d'identité, justificatif de domicile. Je compte bien acheter mon véhicule sur le salon. Ah oui, d'accord, ouais. C'est bien. Voilà. Donc, tu sais pas encore lequel choisir. Tu hésites là. Et j'avoue que je suis peut-être assis sur ma future acquisition. Hein. Ah oui. Ouais. Le Kimco AK550, vraiment, vraiment sympathique. Bon, ça fera plaisir à Kimco. Ouais, vraiment, vraiment sympathique. Grosse révélation du salon. Ça fait quoi? Ça fait Il a un an? Ouais, même pas un an, je crois. Ouais. Donc c'est vrai qu'il est pas mal. Ah oui, il envoie vraiment. Là, en plus, avec son petit écran personnalisable qu'on a au centre, qui est annoncé en GPS prochainement. Je suis vraiment bluffé par Kimco. Oui. Vraiment. Et alors, entre justement tes deux coups de cœur, là, le XADV et le Kimco, l'AK550, qu'est-ce qui fait que ça penche plutôt sur l'AK550? Alors, pourquoi? Parce que, on va dire que dans la semaine, il faut faire de la ville, maison, bureau, bureau-maison, client éventuellement. Le faire en moto avec un costume, c'est toujours compliqué parce qu'il faut avoir à la fois les chaussures de moto, les chaussures de ville, la combinaison anti-pluie, ce genre de choses. Sur un scooter, on a toute cette praticité qui nous permet d'éviter tout ça. Donc pour prendre un XADV et rajouter deux top case, c'est un peu dommage. Bon, alors que je pense que là, sur ce type de scooter, on a une grosse sportivité. On a un vrai plaisir de conduite. Et puis avec une jupe, on sera bien protégé et ce sera très bon. Donc je pense que je vais partir sur la carte. Et ton prénom, c'est quoi, du coup? Salvatore. Salvatore? Oui. C'est quoi? C'est de quel c'est espagnol? Sicilien. Ah, ok. Ouais, voilà. Bon, écoute. Et non, j'ai pas pris à prier au Piaggio. I'm a having a nervous breakdown.